C'est un homme extraordinaire. Parce que ça cliquait, c'est comme Gaétan, là, c'était business, c'était... Il était simple, M. Lauzon, là. Il est arrivé avec 100 $, je pense, dans le Nord. Je ne sais pas, en 1908, tu dis, ou 1907, peut-être qu'il était arrivé. Il est arrivé avec 100 $. Puis, dans ces années-là, les magasins, en gros, tu pouvais payer un an après. Alors, lui, il avait son 100 $, il en a eu besoin, je ne sais pas pourquoi, sans doute. Mais, je veux dire que, lui, les compagnies, il envoyait de la marchandise, puis il disait, tu paieras dans un an. Fait que s'il y avait des bottines de feu à vendre à l'automne, il les vendait durant l'hiver, là, ça commençait à faire de l'argent de cette façon-là. Là. Puis c'était un travailleur. Le magasin était ouvert de 8 heures le matin jusqu'à 10-11 heures le soir. Parce que le soir, les gens des alentours, les messieurs, souvent, ils allaient fumer du tabac. Là, il y avait des chaises versantes, puis il y avait des chaises au bout du comptoir. Là, puis là, ça jasait, mais il n'y avait pas le droit de parler de politique dans le magasin. Ça, c'était défendu. Mais c'est comme ça, là, tu sais, ça a aidé à partir son magasin. Puis il était économe. Et après ça, ben, la famille est arrivée, puis... Il a beaucoup travaillé, M. Lauzon, puis... je pense qu'il a débuté par être propriétaire du moulin assis au lac des Îles, un bout de temps, là, avant les Dubé, là. Puis après ça, il s'est associé avec pour l'électrique de Mont-Laurier, avec Toussaint-la-Chapelle, puis avec le docteur Neveu qui travaillait à Ferme-Neuve, là. Bien, Reed, c'est Reed qui était les propriétaires. Fait que M. Lauzon, La Chapelle, puis Neveu, ils ont acheté de Reed, ils ont acheté le pouvoir électrique. Bien, oui, ça a été payant parce que, je veux dire, ils ont allongé l'électricité dans Mont-Laurier, à Ferme-Neuve, puis ils pouvaient avoir l'électricité pour l'usage de la plywood. Ça, c'était une grosse, grosse économie, là. C'était un monsieur, mon Dieu, comme Lacaille, en bas de Dominin, en s'en allant vers Montréal, ça s'appelle Bellerive. Monsieur Lacaille avait parti une plywood, puis il avait parti son château, là, parce qu'il voulait le ministre du temps du Québec, il était ami avec, là, puis il pensait qu'il viendrait finir ses jours à Dominin, là. En tout cas, M. Lauzon puis La Chapelle, ils ont acheté les avoirs, c'est-à-dire que l'usine a brûlé. Fait qu'il restait des cendres, puis je sais pas, des morceaux de ferraille, puis tout ça. Mais par contre, il y avait 18 ou 19 lots autour du lac qui étaient inclus dans cet achat-là. Là. Puis là, ils ont parti la plywood à Mont-Laurier. Puis là, ça s'est commencé, je ne sais pas comment, le début des ventes, là, mais en tout cas, ça s'est su, puis ils ont vendu ils ont parti l'usine, la plywood ici, là. Ça, c'était pas le bois de Nominin, ils n'ont pas coupé à Nominin. Ils ont vendu plusieurs années après un pilon, puis un autre, là, de l'Annonciation. Puis ils ont fait... Ils n'ont pas fait un gros profit, mais c'est l'autre qui a vendu des terrains pour des chalets, là, parce que ça faisait le quart du lac, le tour du lac, là, ce qu'il y avait, M. Lacaille. Là, il faisait des contrats avec les messieurs de Ferme-Neuve partout, là, il y a des contracteurs. Là, M. La Chapelle, il n'y avait pas d'argent, parce que les gens payaient avec une poche de patates ou je ne sais pas quoi, là, les accouchements. Mais je pense que M. La Chapelle avait joué à la bourse ou cocro, puis il avait fait un montant d'argent. Puis peut-être que ça a aidé à partir, ça a été un peu de capital pour partir la plywood. Mais M. Lauzon, lui, il perdait tout, là. À Banque nationale, il avait signé tout jusqu'à la dernière scène.
Ouais, il a envoyé Gaétan. Gaétan fait son cours classique, puis après ça, il a envoyé plusieurs mois en Ontario, puis il s'est perfectionné en anglais. Parce que là, le gros de la clientèle, c'était des Américains qui achetaient le plywood. Fait que c'était leur gros client. Gaétan parlait anglais. Une fois par année, les Américains venaient pour signer des contrats pour le nombre de plywood qu'ils voulaient avoir, là. En tout cas, il y avait 375 employés dans la plywood, puis on compte pas les moulins à scie. Il y avait trois moulins à scie. Il y avait un à l'Annonciation, un à Mont-Laurier, puis le troisième. La journée qu'il est tombé mort, il avait été à plywood d'après-midi.